On est mal et même maudit. Il faut du Harry. RS Quattro ou Ferrari. Je fais appel de phare, c'est sur la voie de gauche que je vais rester calé. Guette comme mon mani, ça grille les feux rouges dans tout Paris. Je prends virage à gauche, je prends virage à droite, mais je ramène le produit, le produit. Fils de pute, va! Je suis cardiaque, s'il te plaît, je m'arrête! Yo! Voilà! Je vais t'apprendre à être cardiaque, moi. Qu'est-ce petit que vous faites, monsieur? Hein? Vol de véhicule, va! Je vais t'apprendre à voler des véhicules. Non, je le faisais un prank, je le connais, c'est mon copain de l'événement de Pékin Express. Ouais! C'est une honte, monsieur. Oh, bon. Belle balle. Je vous remercie, je vous remercie. C'est vrai qu'elle a du flow, hein. Ça te fait rire de te foutre de ma gueule de mon non, inspectrice c'est... Je rigole pas, je tousse. Tu tousses sur moi en plus, le coronavirus. Non, pas sur Madame toi. Bembe, t'as pas honte là, on remet en une, attends. Eh, écoute-moi bien, Lamar. Écoute-moi bien, espèce de petit con. Là, je suis de bonne humeur aujourd'hui, t'as compris? Moi aussi. Alors, je joue pas avec mes couilles. C'est la première et dernière fois que tu voles un véhicule. Et si mon inspectrice, tu dis pas qu'elle est jolie et que tu dis pas qu'elle fait bien son taf, tu pars pas. Je vous remercie. Très bon travail. C'est quoi votre matricule déjà? 52. 42. 17 pour Central. 52 Mason. 52 que je retienne, très bon travail. Merci beaucoup. Y a un événement ce soir, non? Vous voulez qu'on aille patrouiller? Casse-toi! Aïe! Pas la nuque. Ok, ok. Merci, monsieur. Au revoir. 52 à 97. C'est pété. Est-ce que je peux participer à PK Express pour la finale vu que je suis qualifié? Prenez votre temps de service. Merci beaucoup, je suis là dans 30 minutes, promis. Je vais gagner pour vous la finale, mademoiselle. Allez-y. Je vais la gagner pour vous. Elle est fermée, non? Ok, ça marche, vas-y. Vas-y. Wesh, Bachir. Wesh, frérot. Dis-moi wesh, sale bâtard. Wesh, mais je t'ai pas vu, sale bâtard. Ça va, Bachir? Voilà, crois pas, frère. Frère, t'es Nova sur CSGO, tu fais le malin. Vas-y, vas-y. Je serais bien que je te gagne à la bagarre, je... Vas-y, oh, arrête! Laisse-moi un V1. Comment ça, laisse-moi un V1, vas-y. Il est nul. Ah. Ok, mais derrière, hop. Tombe et je te tue. Aïe. Toi, rigole pas, toi. Quoi? Arrête. Et tu te bats avec qui, là? Non, là, c'est une blague, hein, ce qui vient de se passer. Non. Arrête. Ah. Tu te bats avec qui, là? Bichir, c'est les me coucher. C'est bon, c'est pour rigoler, tranquille. Jure. Ah ouais, ok. J'ai salut. Pas oublié, mais dommage. Ça va toi, Salim? Ouais, je mange le sol. Ouais, c'était très l'origine, ouais. Yassine. Moins 50% Kabyle. C'est ça votre problème? Comme par hasard. Sérieux. C'est ça votre problème? Sérieux, comme par hasard, Yassine, t'as vu. C'est ça votre problème? Tu veux pas être riff? Non, mais c'est ça votre problème? Il y a toujours quelqu'un dans votre arrière-arrière-arrière-grand-mère qui est algérien et vous retenez que... C'est ça le problème. C'est juste quoi T'as quoi remarqué? T'as remarqué ou pas? Remarqué quoi? T'as remarqué que à l'école, il y a toujours un mec algérien, mais genre c'est son arrière-arrière-arrière-grand-père qui est algérien et il a retrouvé l'arbre généalogique. Ouais. Ça va, il s'appelle Yacine quand même. C'est pas non, comme lui, si s'appelait ouais, Thomas, tu sais. Ouais, voilà. Ah, ça a pas de sens. Ouais, ça a pas de sens. Thomas et tout, ça là, pas t'appelles de Thomas, tout, tu fais un bat algérien, ça y est, au ouais, bout d'un voilà, moment. Pour la faire peine, enculer, frère. Et tout, va te faire enculer, frère. Tu sais, pour essayer d'attirer un public maghrébin ouais, alors que t'es, voilà. T'es un babtou là, frère. Exactement. Ça y est, c'est bon, frère. Arrête, frère. Tu sais, on appelle ça comment dans le jargon? On appelle ça comment, frère? Une quenelle. Ouais. Oh, tu sais, il a dit quoi à Démon? Il a dit quoi? La street ne fait pas de Thomas. C'est lui-même qui le dit, hein. Ah, pas mal. T'as vu? Et Cynic, il a dit quoi? Tu sais, il a dit quoi, Cynic? Il a dit quoi? Il a dit tant qu'on est beaucoup des rebeux qui s'appellent Thomas. C'est vrai? Ouais, mais bon, après, parce que c'est un clash tu autour du. Tu faisais? Mais non, mais parce qu'il s'appelle Thomas lui aussi, c'est un Kabyle. Ah, ok. Et donc? Bah, du coup, il a dit ça quoi. Ouais. L'état de ma bouche là. Ah, je connaissais pas. Il faut que tu changes une musique, ce que tu veux, chante ce que tu veux, s'il te plaît, chante un truc, chante. N'importe quoi. Ok, allons, okay. Enfants de. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Attends, ils ont pas les gilets? Ils ont pas les gilets? Allez Virginie, allez. Oh, le cinquième. Ouais. Ok, c'est bon. Ah. Et la cinquième lima. Allez, les cinq limaces maintenant. Les cinq limaces, regarde, je prends les cinq en même temps, j'ai dans la bouche, t'es prêt? Regarde. Viens. Ok, vous êtes chaud, ok. Ok, prochaine étape. Ok, un régal. Ok. Prochaine étape, vous devez partir sur la, comment ça s'appelle, l'île où il y a une maison. Et vous devez
Vraiment besoin d'un hélico. Vraiment besoin, dis-je, je vais mourir. Quoi, C'est quoi là? On est dans triche express. Bah ils ont vous en volé la véhicule donc bah. Comment voilà. Ça ils m'ont volé le véhicule mais j'étais même pas là. Ah ils parlent de nous. Franchement moi je peux rien y faire sur ce coup. Hein. Mais comment ça tu peux rien y faire, okay. T'es organisateur. C'est le jeu, ils vont jouer. On est arrivé en premier. Eh vous arrêtez de spammer la radio s'il vous plaît. Non y a pas d'arrêt de spammer la radio. Je suis venu. Selim, je vais te tuer. Je vais te tuer Selim. T'es du phare, vous voyez où il est. T'es un homme mort Selim. Du côté du phare. Y a zappé. Il y a une île avec des maisonnettes. Ok, go. T'as raison. Écoute, nous, on essaie de faire le jeu, donc tais-toi, arrête de spammer la radio s'il te plaît. Je vois très bien où elle est la voiture et normalement tu peux pas en sortir de ça, hein. Alors je sais pas comment vous avez fait, mais... Siège éjectable, mon pote. Bon, Bobby, c'est bon, s'il te plaît, là on est... Non, c'est vraiment pas bon, là. Non, Bobby, Willet, on est en pleine compète, s'il te plaît, Bobby. Ferme ta gueule. Bobby, c'est de la mauvaise foi, hein, je reconnais. Hein. Quoi? Attends, c'est là? Ouais, ouais, à gauche. Roule. Ouais, c'est là, y'a l'hélicoptère. Bah oui, regarde. Oh là là, on est Gucci. Passe-toi en haut. Son hélico, je le vois pas. Tu le vois pas, il est juste derrière là. C'est pas lui, je crois. Si, c'est lui. Okay. On lui a volé son hélico. Du coup, c'est l'équipe des EMS qui gagne. Voilà. Hey, wouah. C'est terminé. Enfoiré. Fake Bobby. Bobby gagne. Fake Bobby et la marque, les losers. C'est qui le pilote, sérieux? C'est qui le pilote? Il est trop chaud. Le pilote de l'hélico? Daniel. Ouais, c'était qui? Daniel, t'es le meilleur frère! Mais pourquoi Selim 300 000? Tu me dois 300 000. Mais pourquoi je te dois 300 000 en fait? C'est ce que t'as voulu m'escroquer, tu vas me donner 300 000. Mais je vais pas t'escroquer, je t'aurais rendu dans tous les cas! Le plan il était fait pour échouer, Selim! Ferme ta gueule! Mais je te jure que le plan il était fait pour échouer! Non, t'aurais dû m'envoyer un message, me dire c'est un piège, nanana, je sais pas quoi, peu importe. Tu l'as pas fait, donc je considère. Je considère que t'as voulu baiser, t'as 6 jours. Mais tu le savais, regarde, est-ce que, regarde. Jusqu'à tu m'as envoyé un message en me disant que tu savais Minos, que je Minos, mentais. Minos, si Minos. Tu savais que je mentais, Minos. Tu le savais oh, très bien. Minos. Quoi? Lundi, 3h30, c'est le délai max, pour me donner mes 300 000 dollars. Allô? Oui. Mais attends, mais Selim, vraiment, là, je crois que t'abuses. C'est vrai, Minos? Est-ce que je trouverais que j'abuse si je te mets dans un coin et que je te mets une balle dans la tête? Pourquoi? Là j'abuserais. Là. Pourquoi? Une semaine pour donner 300 000 dollars, j'abuse pas. Mais Selim, vraiment. Me dis pas que j'abuse. Me dis surtout pas que j'abuse. Hein. Non, je vais pas dire que t'abuses, Selim. Mais en fait, j'ai l'impression que tu comprends pas la situation bon. Dans laquelle je suis, tu vois. Bon, bouge pas. Garde-le. Bouge pas. Ah, vous avez même pas donné le portier d'argent en voiture et tout. J'ai pas grand chose, mon prévu. Il s'appelle comment la mère là, Claire? Claire. Allez, monte. Je voulais avec vous. Frérot, là le problème c'est que ton business pour le balal gang, tu le fais pas avec Selim et Bachir, c'est ça le problème, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, laisse-moi terminer. Moi je veux bien que tu raquettes tes petits trucs, tu fais tes petits plans à deux balles. Mais fais-les pas avec n'importe qui. Surtout que toi, frérot, tu sais des trucs très très importants. Alors si on les dit à un gamin qui fait des pranks pour 300 000 dollars à des mecs comme nous, demain ça va être quoi avec les keufs? Ça va être quoi le prank? Ah, j'ai dit aux keufs que nanani nanana. Non mais Bachir, ça va être ça, le prank. Je te jure sur tout ce que j'ai que je ne dirai jamais rien de ce que j'ai par rapport à toi et à Selim. Je veux bien, mais le problème c'est la mentalité là, c'est ça le problème. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que... Le plan que j'ai monté hier, c'était à la fois pour que les Français y croient que je suis avec eux et que je veux faire du business avec eux. Ferme-la, en même temps, c'est toi. Oh, vous allô. Êtes parti où avec le petit Minos? Je vais parler avec lui là vite fait. Ah, ok. Vas-y, reprends tes conneries. Oui.
du coup, je disais que mon plan, c'était pour que les Français croient que je vais faire du business avec eux. Et en fait, je voulais livrer en faisant un plan tellement bidon que c'était évident que vous allez nous choper. Franchement, c'était malin le coup du jet ski pourtant. Mais Selim, je voulais t'escroquer 300 000, j'aurais appelé les balas, j'aurais dit fini, on fait un vrai plan pour niquer Selim 300k. Et... Selim... Regarde-moi, s'il te plaît, baisse ton arme. Non. Selim, on est potes. Non. On était potes. $300,000, il te reste 6 jours. Ok, Minos? Ok. Mais... Quoi? Mais $300,000, c'est pas les Français qui devaient te les rendre. Eux, ils vont passer ils vont passer $420,000 que tu vas en passer 300 000. On est d'accord, Minos? Attends, mais c'est lui, mais j'ai voulu te rendre service. Vas, et au attends, final, attends, j'ai fait 300 000 sur mon dos là. Exactement. Parce que j'ai voulu te rendre service. Parce que je te crois pas. Mais pourquoi tu me crois pas, Céline ? Fallait m'envoyer un message, arrête de compter ce que je te dis. Soit tu me ramènes l'argent, soit tu me dis non, Céline, je te ramène pas l'argent et je te mets une balle dans le crâne maintenant. Mais oui, Céline, mais je vais te ramener l'argent, mais comprends. Super. Que je ne te mens pas, sérieux, Céline. Ferme-la. Mais si t'as voulu aider, pourquoi t'envoies pas un message, oui, tu vas être contacté, nanami, nanana. Mais parce que ça s'est fait en 2 secondes, j'ai pas eu le temps de tout faire. Monte dans le coffre. T'es le patron, et nous on croit pas trop. À la chicha sous ballon, tu te pars tout à l'amour. Tu racontes que des pires.